Bonjour, donc je vous présente un travail qui a été fait par moi-même, l'Université Paris 6, avec Olivier Curé, Paris Est, Marne-la-Vallée, et Bernd Tamann également, Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Donc le contexte est toujours le même que celui des autres exposés de la session. On s'intéresse donc à des données RDF, il y a cet aspect Big RDF Data, donc sous l'impulsion de l'initiative Linked Open Data. On voit qu'il y a des jeux de données qui s'enrichissent chaque jour avec plus de contenu, plus de liens entre les différents triplets. Et donc on considère ici dans ce travail des très larges jeux de données avec de l'ordre de plusieurs milliards de triplets qui sont toujours formés d'un sujet, d'une propriété et d'un objet. Pour interroger ces larges jeux de données, donc il y a ce langage SparkQL, on s'intéresse aux motifs simplifiés qui sont les basic graph patterns, avec un exemple ici où si on cherche par exemple des étudiants ainsi que des informations sur leur adresse email et le laboratoire où ils travaillent, on peut former ceci avec une requête qui est composée de motifs de triples, donc c'est les arcs de la requête. Ici avec 5 motifs de triples, on forme une requête et on voit que pour combiner 2 motifs de triples, on a des variables de jointure x et y sur le dessin. Le problème que l'on aborde, c'est de traiter donc des requêtes SparkQL sur des très larges jeux de données distribués, donc les données étant en mémoire, et ceci, on veut le faire de manière efficace, en utilisant des plateformes de calcul sur cluster qui existent, et sans préparation, sans surcoût pour la préparation des données. Le troisième point, le surcoût de la préparation des données, ici, est important lorsqu'un utilisateur a des nouveaux jeux de données qui viennent juste d'arriver. Il veut très rapidement pouvoir les interroger sans attendre. Donc on peut reformuler ça un tout petit peu plus précisément. Étant donné qu'on a un jeu de données qui est distribué sur un cluster composé de n machines, n nœuds de calcul et une requête, et étant donné également un ensemble d'opérateurs qui permettent de manipuler ces données, on souhaiterait trouver le plan qui réduit d'autant que possible les transferts de données qu'il peut y avoir entre les nœuds. La motivation est la suivante. Donc c'est un problème important du fait du cas d'usage dans le Linked Open Data où les utilisateurs ont besoin de poser des requêtes de jointure et d'avoir un résultat très rapidement. Et peut-être un peu plus, de manière un peu plus récente, cette tendance d'utiliser donc des plateformes unifiées pour le calcul sur cluster. Donc on peut voir finalement une requête SparkQL comme étant seulement une tâche dans un workflow d'analyse plus complexe. Et ce workflow va être fait sur une plateforme unifiée de manière à pouvoir partager les données entre les différentes étapes du workflow. Donc finalement, après avoir fini la requête SparkQL, le résultat de la requête va servir pour une autre tâche d'analyse et pourquoi pas par la suite refaire une autre requête SparkQL un peu plus loin. Donc ces plateformes, il y a deux plateformes, Spark et Flink. Flink sera présenté jeudi matin, Spark fait à peu près la même chose. Donc on a choisi de travailler sur Spark, mais finalement ce n'est pas trop d'importance ici. Et là, donc, on peut dire que ces plateformes, elles apportent avec leur environnement, elles apportent des propriétés importantes ici, c'est la scalabilité, la tolérance aux pannes, et également, ça permet aussi de bénéficier des récentes avancées technologiques sur le calcul haute performance, qui sera quelque part gratuitement fourni pour l'évaluation des requêtes SparkQL. Donc ce problème reste difficile, puisqu'il y a beaucoup d'algorithmes de jointure parallèles et distribués, et on souhaite faire de l'optimisation de requêtes basée sur le coût. Je vous présente les solutions existantes et notre position par rapport à ces solutions. Donc il y a de nombreux travaux pour traiter des requêtes SparkQL et qui s'appuient sur des techniques principalement d'indexation intensive. On va très fortement indexer les données pour gagner en performance. Et également sur du partitionnement de données complexes pour avoir cette fameuse localité entre les données et le traitement qui apporte aussi de la performance. De nombreux travaux considèrent finalement que les requêtes forme un workload et on va essayer de découper, parfois avec recouvrement, le graphe des données de telle sorte que quand on pose une requête, eh bien, les résultats de la requête sont en entier, si on peut dire, dans un morceau du graphe. Donc ces approches impliquent beaucoup de réplications et un temps de préparation très long. Par exemple, dans ce que je présenterai à la fin, il fallait 17 heures pour l'approche EstorDF pour préparer ces données, ce qui nous semble un peu long, même si ça peut se discuter. Donc les deux papiers les plus récents sont de cette année S2RDF qui s'appuie sur finalement un pré-calcul de toutes les jointures pour des chemins de longueur 2
des données, donc c'est un temps de préparation très long que j'évoquais. Et également, ils utilisent un seul algorithme de jointure dans leur solution, ce qui peut être une limitation. Et l'autre un travail intéressant, ClickSquare, ClickSquare s'appuie aussi sur de la réplication de données assez intensive. Il réplique les données en les partitionnant à la fois par sujet, par prédicat et par objet. À l'opposé, finalement, pour se positionner par rapport à ces travaux, on a choisi d'éviter la réplication, l'indexation, le partitionnement complexe et la maintenance des données également qui seraient trop complexes. Donc, on va perdre en localité, bien sûr, mais on va gagner en contrepartie sur finalement l'espace en mémoire qui sera entièrement disponible pour davantage de données. Donc, dans ce cas-là, finalement, qu'est-ce qui nous reste comme espace pour gagner du temps ? Eh bien, c'est de faire des requêtes de jointure efficaces en économisant les transferts. Donc, notre solution est de considérer plusieurs algorithmes de jointure qui vont différer en fonction de la quantité de données qu'ils vont, de la quantité de transfert de données qu'ils vont générer. On va préciser le modèle de coût qui estime ces transferts, et à partir de ça, on va construire des plans de requêtes qui donc sont optimisés et qui arrivent à s'exécuter efficacement sur une plateforme de calcul parallèle telle que Spark. Donc par la suite, je vous présente deux, trois diapos de prérequis pour bien repréciser les choses, puis la solution et enfin finalement les expérimentations. Donc le prérequis, très simplement, c'est la distribution des données. Donc les données sont découpées par hachage. Ici dans l'exemple, le sujet sert de clé de hachage. Donc si, on voit bien que dans chaque partition, tous les triplets qui ont le même sujet se retrouvent dans la même partition. L'avantage de ce type de partitionnement, c'est que c'est immédiat. Ça se fait de manière très facile sur une plateforme de calcul parallèle. Lorsqu'on veut distribuer les données sur un environnement type cluster, où les nœuds sont indépendants les uns des autres, approche parfois appelée shared nothing, donc on a ici un coût de communication relativement important entre les nœuds, et on va pouvoir donc mettre des données sur les différents nœuds, et à partir de ça, faire des traitements. Les ressources que l'on utilise ici sont la mémoire pour stocker les données et le CPU pour faire les calculs. Donc, lorsqu'on a cette architecture de calcul, on peut placer les données, donc une partition par nœud, et à partir de là, on peut déjà faire des traitements. Donc, c'est-à-dire que les opérations locales se font sur chaque nœud, donc évidemment, ça se fait en parallèle, et ainsi, on peut traiter, par exemple, des jointures si les triplets sont joints sur leur sujet. Comme on a partitionné les données par sujet, on peut déjà faire un certain nombre de jointures. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. On doit aussi parfois faire des opérations globales qui nécessitent d'accéder aux données de plusieurs partitions. Donc dans ce cas-là, voilà, on retrouve les choses que vous avez déjà pu voir, j'imagine, quand on vous présente le MapReduce. Voilà, on voit ici qu'on a des opérations globales qui se font en parallèle, et donc il y a des transferts plus importants entre les différents nœuds. Là, on a aussi des opérations de jointure plus générales qui peuvent se faire. Donc, comment est-ce qu'on va traiter les jointures en fonction des requêtes que l'on a ? Donc, voici un exemple où vous avez donc des personnes qui travaillent dans un laboratoire avec un nom et un âge, et puis d'autres partitions avec des détails sur des laboratoires. Donc, si je cherche les laboratoires avec le nom des personnes, on est sur une requête dite type étoile, star query, et il n'y a aucun transfert, puisqu'on le voit bien typiquement qu'on peut répondre pour P1 dans la première partition, par exemple, ou pour P2 dans cette partition. D'accord ? Il y a d'autres requêtes, les requêtes dites en chaîne. Alors, celles-ci vont nécessiter plus de transferts, puisqu'on voit bien que les laboratoires ne sont pas partitionnés par le L ici. Donc, on va prendre, par exemple, un premier triplet, puis un label 1, il va falloir le rejoindre avec des données qui sont ailleurs. Donc il y a deux façons de faire ces transferts, soit on distribue les données du triplet avec la propriété lab, soit inversement, on pourrait se dire qu'on va prendre tous les triplets de la propriété hat et on les ramène dans chaque partition. Donc deux transferts qui seront détaillés juste après. Il y a aussi des requêtes plus complexes qui sont finalement des combinaisons de ces motifs. Donc à partir d'une chaîne, on peut finalement avoir des espèces de chaînes d'étoiles qui forment des flocons, même des étoiles d'étoiles, et les motifs encore plus complexes où on peut avoir des cycles ou autres. D'accord ? Donc je vais détailler là-dessus. Maintenant, quelles sont les façons de faire ces jointures pour évaluer ces requêtes ?
donc typiquement les jointures distribuées et dites broadcast, et après on va expliquer comment est-ce qu'on a pu utiliser ça pour former des plans efficaces. Donc ici sur l'exemple, on voit que la jointure dite partitionnée consiste eh bien, à partitionner les données au moment où on exécute la jointure, car les données ne sont pas partitionnées en fonction de la clé de jointure, dans le pire des cas. Donc ici, on va ensuite, une fois qu'on a partitionné localement les données, on peut ensuite obtenir le résultat de la requête. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la partie rouge, c'est de dire que les données transférées ici sont finalement la somme des jeux de données qui ont dû être repartitionnés. On est dans le pire des cas. Si on fait une jointure NR et si aucun des jeux de données est partitionné correctement, eh bien on a cette formule qui permet de connaître les transferts. Évidemment, si les jeux de données sont déjà partitionnés en fonction de la clé de jointure, on prend pas en compte, enfin, on ne les additionne pas dans la formule. La deuxième façon de faire la jointure est la jointure par broadcast. Donc, ça consiste généralement lorsqu'on a une grosse table avec une petite table, si on peut dire, un gros jeu de données avec une petite jeu de données, à prendre le petit jeu de données et à l'envoyer entièrement sur les partitions qui contiennent les données plus importantes. Et de cette manière, on peut localement traiter la requête. On voit que dans le coût des transferts, ce qui est pris en compte ici, c'est le nombre de nœuds de calcul sur lesquels il faut broadcaster toutes ces données. Donc, à partir de là, donc on a défini un modèle de coût qui va prendre en compte le partitionnement des données, le nombre de nœuds de calcul, la taille des résultats intermédiaires, pour donner le coût de ces deux opérateurs de jointure parallèle. À partir de ça, on va pouvoir donc construire des plans d'exécution des requêtes en définissant une façon d'évaluer des requêtes dites étoiles. Et à partir de ces requêtes étoiles, on va de manière linéaire, en augmentant le plan, eh bien, à obtenir un plan linéaire qui va permettre de rejoindre ces étoiles pour former eh bien, le plan complet de la requête. Donc, pour avoir la taille des résultats intermédiaires, eh bien, on a choisi d'évaluer, c'est-à-dire d'optimiser le plan, en fait, de générer le plan d'exécution au moment de l'exécution, ce qui permet d'avoir des informations précises sur les résultats intermédiaires et de faire les bons choix sur tel ou tel algorithme de jointure. Donc une diapo un peu plus détaillée sur l'algorithme en lui-même. Donc étant donné la requête, donc le motif de la requête que l'on a initialement, on va premièrement calculer donc toutes les étoiles en utilisant cet opérateur de jointure partitionnée qui minimise le transfert. Alors on ne sait pas initialement quels sont les deux triples à joindre ensemble, donc on va simplement, à partir des fonctions de coût, envisager donc, toutes les paires de combinaisons, et ainsi on va trouver on fait d'abord ça, donc pour toutes les étoiles on calcule on utilise l'algorithme pjoin, et c'est dans la deuxième étape, lorsqu'on est amené maintenant à combiner les étoiles, donc parmi toutes les étoiles dont on dispose, lesquelles vont être combinées. Donc c'est là où eh bien, on va choisir celle dont le coût est minimal. Donc à partir de ça, on obtient un motif un peu plus agrandi qui est une jointure entre deux étoiles, et on continue ainsi. Donc typiquement c'est de la programmation dynamique où on va rajouter une troisième étoile, et ainsi de suite on obtient donc le motif final. Alors, ce qui est dans notre travail, on a passé beaucoup de temps à ensuite, une fois qu'on a obtenu ces plans, à les exécuter dans la plateforme Spark. On pourrait penser que ce type de plateforme, de manière assez directe, peut évaluer des requêtes Sparkle. C'est le cas si on les traduit notamment en SQL, puisque cette plateforme supporte le langage SQL. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas très efficace. Donc finalement, c'est ça qui a aussi un peu motivé notre travail, c'est d'arriver à faire quelque chose d'un peu plus efficace que ce que la plateforme Spark propose. Alors ici, vous avez les trois premières lignes, on peut dire, c'est les solutions immédiates que l'on pourrait avoir dans Spark. Et en colonne, vous avez quelque part les fonctions qui sont supportées ou pas dans la plateforme. Donc le copartitioning, c'est-à-dire faire des jointures locales quand les données sont bien partitionnées, c'est quasiment tout le temps supporté à partir d'une certaine version de Spark. Les algorithmes de jointure et les plans de jointure qui sont proposés par Spark sont relativement limités. Donc lorsqu'on utilise les structures de données initialement
proposé dans Spark, on a qu'un seul algo. Ensuite, lorsqu'on utilise, je dirais, la version un peu relationnelle de Spark, on a donc les deux algos de jointure, mais en réalité, les plans ne peuvent contenir qu'un seul algorithme, qu'une seule jointure par broadcast dans toute la requête, donc ce qui est un peu limité. Et concernant ensuite, après l'optimisation de requête ici, on voit qu'il n'y avait pas énormément d'optimisation de requête. Bon, il y a un optimiseur dans Spark qui, dans notre cas, pour exécuter des requêtes Sparkle, s'est avéré ne pas être efficace, puisqu'il y avait notamment des produits cartésiens qui étaient faits sur des requêtes en chaîne et qui donnaient de mauvais résultats. Et finalement, concernant la compression de données qui est fournie par, la plateforme Spark, on peut dire que c'est supporté nativement, et on le supporte aussi dans nos solutions. Donc je vais peut-être détailler un tout petit peu les deux dernières lignes qui sont nos solutions. Donc dans notre solution, finalement, on peut dire qu'on supporte quasiment toutes les méthodes qui sont présentées dans ce tableau. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des plans de requêtes qui peuvent avoir finalement un nombre arbitraire de jointures qui sont de type broadcast ou partition join, et notamment ça permet de manière plus efficace de broadcaster aussi le résultat d'une sous-requête pour successivement pour arriver à avoir une exécution de requête efficace. Et on a donc un modèle de coût pour l'optimisation des requêtes, et lorsque le système supporte la compression des données, on le supporte également. Donc c'est finalement, on peut dire qu'on est arrivé à faire quelque chose d'assez efficace sur cette plateforme. Alors, les résultats expérimentaux sont les suivants. On a donc utilisé deux jeux de données synthétiques et un réel de l'ordre du milliard de triplets. On avait un cluster au laboratoire avec 17 nœuds, ce qui faisait un total de 300 cœurs et 800 gigas de mémoire. Tout ceci a été implémenté en Scala. Pour prévoir le papier pour plus de détails. Ici, sur les quelques minutes qui restent, donc, on a donc des résultats de performance. On compare ici la première requête que je vous ai présentée en introduction dans la diapo, une requête motif flocon. Donc ici, on voit que on a à la fois donc une première expérience sur un petit jeu de données, puis peut-être ce qui est plus intéressant, c'était cette expérience sur le grand jeu de données. Donc là, on a des gains lorsque les données ne sont pas compressées. Donc c'est-à-dire on compare la barre orange avec la barre, je dirais, celle-ci là, rouge, eh bien, on a des gains de l'ordre des 4,7. Et lorsqu'on travaille avec des données compressées, donc barre bleue comparée avec la barre violette, on a des gains de 3. C'était également intéressant de se comparer avec l'approche la plus récente présentée avec le début 2016. Donc en réutilisant leur jeu de données et leur requête, et on a pu donc faire une comparaison, je dirais, assez précise des deux approches. Donc premièrement, lorsqu'on a un seul jeu de données, on voit ici, donc c'est le bleu par rapport au violet, donc on a un gain en performance qui est de l'ordre de 2,4. Et lorsque, là c'est plutôt cette deuxième partie qui montre la comparaison avec S2RDF, donc eux ils ont fait le choix de ne pas avoir un seul jeu de données, mais de découper les données en fonction des propriétés. C'est assez classique, ils appellent ça du partitionnement vertical. Donc même lorsqu'on a cette multitude de jeux de données, et donc qui finalement favorisent les sélections, eh bien on arrive à avoir des gains de l'ordre de 2,2. Donc en conclusion, c'est une première analyse assez détaillée de l'exécution de requêtes Sparkle sur la plateforme Spark. On a un modèle de coût qui prend en compte principalement les transferts de données qui ont été présentés dans l'exposé. Dans le papier, on voit que dans le modèle de coût, il y a aussi, on a pris en compte également les coûts d'accès locaux, et on a pu donc comme ça avoir une petite optimisation de manière à réduire les coûts d'accès, ce qui est intéressant notamment quand les données ne sont pas indexées. On a donc une génération de requêtes efficace, bien qu'on n'ait pas pour l'instant étudié de manière formelle l'optimalité. Et on a donc de nombreuses expériences à large échelle. Et en Futureworks, donc, on prévoit d'étendre ça avec d'autres algos de jointure qui ont été récemment proposés. Notamment, il y a des algos qui sont bien adaptés lorsqu'on a du biais sur le domaine des clés de jointure. On voit que
il y a des choses assez astucieuses à faire qu'on voudrait incorporer, ou aussi, pourquoi pas, tous les travaux de Ullmann et compagnie sur les jointures hypercubes qui pourraient être incorporées aussi dans cette approche. Merci pour votre attention. Questions again? Merci Hubert. Donc je vois qu'on fait toujours des jointures voilà. Parallèles 30 ans après. Ça change pas. Alors justement, j'ai une question là-dessus. Les algorithmes de partitionnement que tu utilises sont basiques. Donc c'est en gros le broadcast, c'est le nested loop et l'autre c'est HH parallèle. Et il y a eu énormément de travail bien après pour, outre le parallélisme indépendant que tu obtiens, pour faire du parallélisme en pipeline, hein, pour pouvoir imbriquer. Oui. Et je me demande comment tu pourrais arriver à faire ça avec Spark. Alors, est-ce que dans la plateforme Spark, on peut faire du parallélisme inter-opérateur au lieu de intra-opérateur? Non, par exemple, si tu prends les deux algorithmes, il y a symétrique, oui. Hash join et ripple join, de, comment il s'appelle, du mec de Berkeley, là, qui sont, donc qui permettent de travailler, de joindre les données dès qu'elles arrivent. Sans avoir à tout partitionner de façon statique. D'accord. Là, je suis en train de me demander tout haut, là, comment on pourrait réussir à faire ça avec Spark. J'ai l'impression qu'on peut, mais probablement pas en ce cas-là. C'est vrai que là, on s'appuie sur je dirais, les opérateurs bas niveau de Spark, qui sont type MapReduce, où la phase Reduce démarre une fois que la phase Map s'est terminée. Ah oui, donc là, on est coincé. Typiquement, ce que tu dis, c'est que tu t'en... Bon, mais est-ce qu'on peut... Là, je pense pas... Enfin, dans le cas ici, est-ce que ça aurait du sens de commencer à vouloir faire la jointure alors qu'on n'a pas... Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait gagner? En termes de transfert, ce serait pareil. Peut-être là où ça pourrait être intéressant, c'est plus s'il y a plusieurs jointures à enchaîner. Est-ce qu'on peut peut-être les paralléliser? Je sais pas, peut-être... Les résultats... c'est implémenté dans tous les systèmes de BD parallèles, montre que les temps de réponse sont très réduits en fait, hein, parce qu'on pipeline tout. Alors qu'ici, je trouve que c'est un retour à 20 ans, alors que si on. C'est parce qu'on veut utiliser Spark. Donc un moteur RDF qui devrait utiliser les techniques. Bon, personne ne le fait, mais qui utiliserait les techniques implémentées par les GBD parallèles devrait aller. Oui, tu penses qu'il faut beaucoup voir plus vite. Parce que tu as un contrôle sur le. Enfin, c'est toujours le type de parallélisme qu'on oublie maintenant dans les nouvelles approches qui est en pipeline en fait. Oui, enfin le pipeline. Après, faut vraiment. Qu'est-ce qu'on entend par pipeline aussi? Dès qu'on lit les données, on est capable de les traiter. Donc là, il faut les partitionner, les restocker. Bon, on va voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Oui. Yes, please. Dans la comparaison que vous avez faite avec les autres méthodes, vous avez pris une architecture fixe et vous avez exécuté vos requêtes. Je me demandais si ça avait un sens de voir sur plusieurs architectures, plusieurs nœuds de calcul, est-ce que ces facteurs de performance se comportaient de la même manière? Vous êtes quatre fois plus rapide, mais sur une architecture ou un nombre de nœuds déjà fixé. Si on augmente, si on diminue, est-ce que ça risque de changer ou ça reste... Bon, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas ici étudié le passage à l'échelle, si on peut dire en faisant varier le nombre de nœuds de calcul. On a choisi de prendre un cluster de la même taille que celui qui était utilisé dans le papier StoreDef. Ils avaient 50 nœuds de calcul. On a fait pareil pour cette expérience. Après, bien sûr que... même si on peut penser que c'est linéaire, il faut quand même l'expérimenter pour vérifier que c'est le cas. Là-dessus, on avait fait d'autres expériences où on voit que c'était quand même relativement linéaire puisque le coût prioritaire, enfin le coût prépondérant, ça reste quand même le transfert de données. Et donc, on est vraiment assez vite.
on dit, le temps de réponse est quand même proportionnel à la quantité de données transférées. Donc si on augmente la taille du cluster, mais si la capacité du lien de communication reste la même, on risque effectivement de ne pas forcément... on peut être limité à ce sujet-là. Il faudrait en même temps, si on augmente la taille de l'environnement de calcul, avoir aussi des performances qui augmentent pour le transfert des données, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Oui. Yes, please. The mic. I'm curious about performance of queries over some non-selective properties, like LUBM that you used has too many resources which all have phone, and this phone is a XXX. So have you ever tried running a common target query over telephone property? And I'm curious how this performs. Can you repeat your question, please? Completely. do you have an idea of performance of, for example, common target queries? Two resources have property telephone, and they join on the object. Okay. And do you know how this will perform? My doubts are because they're basically everyone has a phone, and this phone is in the synthetic data set XXX. So I'm curious how this will... Your question is about join on the object? Yes. So if you are doing a join on... If you have some very non-selective properties, such as telephone in LUBM. So since the data is partitioned on the object, on the subject, to do a object join, you will repartition the data during the join. So it's the worst case that is illustrated on the... partition join figure. What is the question precisely? Can I run this query and get a response in some reasonable time? There is no limitation. I've seen that in your experiments you use the snowflake of some kind of properties. There is a complex query, the C3. In this query there are some object joins. In this query C3, it is the WhatDiv benchmark from the Waterloo University, and we have defined 20 queries. And among these queries, there is a class complex queries, where there are some that kind of queries, and we achieve to run these queries. So, okay. Okay, thank you once more.